L'info trafiquée de Yann Lambiel. Un Néo-Zélandais aurait reçu 10 doses de vaccins payées par des antivax. Hey, salut, c'est Michael. Et ça m'intéresse. Voulez-vous faire injecter 10 doses de vaccins? Ouais, c'est parce que pour booster mon système immunitaire pour la prochaine expédition. Parce que chez moi, la peau et les sangs, ils sont tellement durs et tellement résistants que les premiers vaccins, ils n'arrivent pas à entrer, toi. Et puis la deuxième non plus, il faut au moins 10 doses pour que mon corps, il tolère les trucs parce que mon corps, il est trop fort, tu comprends? Et c'est pour ça que je pense que la prochaine expédition, ça va être très, très difficile et très la plus périlleuse de ma vie. Et je sais pas si je vais survivre, mais je vais quand même la faire parce que moi, je suis un aventurier. Mais ce sera quoi cette expédition? Je vais passer les fêtes de Noël avec ma famille à Châteaudet. Je sais pas si je vais m'en sortir. Les amis de la Constitution s'engagent contre le don présumé d'organes. Werner Boxler, vous êtes vice-président du mouvement et coach de vie. Quels sont vos arguments? Oui, alors les amis de la Constitution, nous nous appelons comme cela parce que nous, on est les amis de la Constitution et nous, on aime la Constitution par rapport aux autres Suisses qui, eux, ils sont tous contre la Constitution puisqu'ils ne sont pas amis avec vous, par exemple, vous aimez pas la Constitution et ça c'est dommage. Eh ben non, moi je suis pas contre la Constitution. Alors vous êtes avec nous, mais ça c'est très bien. Non, je suis pas avec vous. En fait, vous pouvez pas aimer la Constitution et pas être amis avec. nous sommes pour la liberté, contrairement aux autres Suisses qui eux sont pas pour la liberté puisqu'ils sont contre la Constitution. Nous on est pour la liberté, que les gens y meurent du Covid ou d'un manque d'organes. C'est anticonstitutionnel de sauver tous ces gens qui ont droit à la mort. C'est une liberté qui est bafouée par le Conseil fédéral et toutes ces mesures inutiles. Et maintenant, qu'ils veulent que les gens ils donnent leurs organes pour sauver des vies, alors que les gens ils ont le droit à la liberté de mourir jeune à une semaine d'une greffe pour qu'une autre personne il a la liberté de ne pas donner ses organes par amour de la Constitution que vous ne vous aimez pas. Hier soir avait lieu la cérémonie des Sport Awards. Vous y étiez, Stan? Ben non. Ben non, vu que j'ai presque pas fait de sport cette année, j'aurais pu participer à la cérémonie des Canapé Awards, des Fiesta Awards ou des Salles d'Opération Awards peut-être, mais des Sport Awards, pas vraiment, non. Par contre, j'ai regardé, t'as regardé? Ah, c'était génial, non, c'est super. Ils ont récompensé Marco Odermatt, Belinda Bencic ou bien Yann Sommer. En plus, le présentateur avec sa veste rouge, il avait l'air tellement suisse-allemand. Il y a un truc là-bas, même quand ça se veut classe, c'est quand même kitsch, t'as remarqué? À part Sommer, hein. Sommer, lui, c'est la classe. Hein. Bon, hein, je ferai gaffe l'année prochaine quand je gagnerai le prix hein, de ne pas mettre de couleur. Jane Birkin, vous fêtez aujourd'hui vos 75 ans. Je pensais que je n'y arriverais pas jusque-là. Je suis plus vieille que Serge quand il est mort. Et vous savez que vous êtes née le même jour qu'Henri Dess qui fête aujourd'hui ses 81 ans. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai un peu marre de chanter les chansons de Serge. Il était souché, que c'était plus machin toutou. Ex-fan des 60s, ça commence à me casser les couilles. Mais mon prochain album, il sera les reprises de Henri Dess. Je t'ai fait un extrait. Tout dit tout ça. J'en ai pas, t'es pour toi comme ça. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, t'es pour toi comme ça. Pom 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 qui est là, c'est la petite Jane. Pom 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 qui est là, c'est la petite Jane. J'aurais besoin d'une voix parce qu'on m'entend pas. T'en as pas, c'est bien fait pour moi. Tout et tout à